tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête. Booba, Frisquette, Booba et Frisquette ont miraculeusement échappé à la mort au cours de l'incendie de la cabane de Monsieur Forestier. En réalité, cet incendie a été allumé par l'horrible bon ami qui a jeté une lampe à pétrole dans la cabane. Mais comme il n'y avait pas de témoins, les soupçons se sont portés sur Booba et Frisquette. Papa, notre maison brûle aussi. Mais quel désastre! Deux maisons détruites en une seule nuit! Oh! Tiens, c'est toujours ça. Une fois bien nettoyé, ça peut encore faire de l'usage. Merci beaucoup, oncle Émile. Et vous, qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce que vous avez dans la bouche? C'est bien. Mais ce sont vos écuelles. Pauvres petites bêtes. On ne peut vraiment pas leur en vouloir. Ce ne sont que des animaux, finalement. Ils ne peuvent pas se sentir responsables. Ils ne comprennent pas qu'ils ont provoqué l'incendie. Et ils comprennent encore moins que tu les punisses pour ça. J'ai compris ce que vous voulez, mais oui. Vous voulez que je vous trouve d'autres écuelles. Celles-ci, elles sentent le brûlé. C'est pas la peine de les garder, elles sentent pas bon. Ah bon, vous voulez pas changer? Et maintenant, Dacloma, tu as réfléchi à ce que tu allais faire ou où tu allais vivre? Depuis ce matin, j'ai tellement travaillé que je n'ai pas eu le temps d'y penser. Je peux te proposer quelque chose. Tant que tu n'auras pas pris de décision, tu pourras peut-être venir habiter dans ma cabane. En serrant un peu, il y aura de la place pour nous trois. Oh, c'est pas un palais, bien sûr, mais grâce à toi, elle est assez confortable. Et ça vous dépannera. Je te remercie pour ta proposition. Mais tant que je n'ai pas terminé le travail que j'ai à faire, je ne veux pas penser au suivant. Moy, tu veux bien venir avec moi? J'arrive, papa. Quel est ce travail qui a l'air si urgent? Toutes leurs affaires ont disparu dans l'incendie. Moy, toi et moi, je sais que nous pensons la même chose. Tu ne crois pas non plus que c'est un accident. C'est vrai, papa. Alors va te préparer, on part immédiatement. Oui, papa. Qu'est-ce qui vous arrive, hein? Oh, j'espère que vous préférez venir habiter chez moi plutôt que de vivre dans ce tas de ruines fumantes. Mais attention, il faudra être très sage. Hein? Ah, oui, ah, oui. Non, mais arrêtez. Ah, oui, ça me chatouille. Ah, oui, j'ai compris. Vous m'aimez beaucoup, oui, ah, oui. Ah, il va plus me rester un poil de barbe. Ah, oui, ah, oui, oui, oui. Où vas-tu? J'ai réfléchi, oncle Émile. Nous sommes venus te dire au revoir. Nous avons un travail à faire et nous allons nous absenter pendant un certain temps. Mais où veux-tu aller? Va, qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Travailler sans être payé. Monsieur Forestier, t'as pas demandé de le dédommager? C'est moi qui suis responsable. Je le connais et je te garantis qu'il ne le voudra jamais. Dacloma! C'est malheureux. Quand tu as pris une décision, rien ne peut te faire changer d'avis. Bon, ben, vas-y, tu fais ce que tu veux après tout.
Est-ce que tu pourras te débrouiller tout seul? Non, t'inquiète pas pour moi. Ça ira. Tant que j'ai la rivière pour me tenir compagnie. Au revoir, Moïse, ne fais pas de bêtises. Et si t'es un peu triste, t'as qu'à penser à l'oncle Émile. C'est promis? Oui, c'est promis, au revoir. À bientôt. Ça me fait de la peine de ne plus voir oncle Émile, mais on est obligé de partir d'ici. Je me demande quand on se reverra. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Je m'étais bien habitué à ce petit et à ces deux oursons. Je vais me sentir seul. Ah, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi têtu. J'étais dans ma chambre et je regardais par la fenêtre. Quand je t'ai aperçu, tu traversais le lac en canoë. Je suis sortie sans qu'on me voie. Je regrette beaucoup, tu sais. J'aurais voulu aller à ta maison pour t'aider à retrouver des objets dans les ruines pour te rendre service. Mais Hélène a voulu que je reste à la maison. J'ai compris que c'était pour ça. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais avec ce canoë? Tu pars en voyage? Oh non, pas du tout. Je suis venue ici. Papa veut qu'on s'arrête là. Tu vas venir travailler chez nous avec ton papa? C'est fantastique! On va pouvoir continuer à étudier tous les deux comme pendant les vacances et on jouera ensemble! Oh non, plus maintenant, Joy. Maintenant, ce sera plus pareil. Oh. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux venir travailler dans mon ranch gratuitement pour rembourser la perte de ma maison? Oui, monsieur Forestier. Il faut que je vous rembourse ce que vous avez perdu dans l'incendie. D'Aklahoma, cette proposition est toute à ton honneur et elle montre une honnêteté qui est devenue bien rare de nos jours. Et je te remercie, mais tu n'as pas à te sentir responsable. C'est moi la responsable. J'aurais dû faire attention. D'Aklahoma, Moy, Booba et Frisquette n'y sont pour rien. Non, excusez-moi, monsieur Forestier, mais le jour où vous m'avez fait l'honneur de me confier la garde de votre maison, je me suis senti responsable de ce qui pourrait arriver, et vous avez tout perdu. Oui, je sais tout ça. Je te comprends, mais je t'assure que ce n'est pas nécessaire. C'est la coutume dans notre tribu. Si un homme perd quelque chose par la faute d'un autre, le fautif doit dédommager celui qui a tout perdu. Très bien, si tu es décidé que tu considères que c'est ton devoir, tu peux rester ici aussi longtemps que tu voudras, et que tu le jugeras utile. Et en plus, tu n'as plus d'habitation depuis que l'incendie a détruit les deux maisons. Merci, monsieur Forestier. Merci beaucoup. Maintenant, excuse-moi, mais il faut que je te laisse. Je dois aller au village. Cook, tu montreras à notre ami où il peut s'installer le temps qu'il restera avec nous. Je m'en occupe, monsieur. Je trouve ça très honnête, moi, de travailler tout le temps qu'il faudra chez le patron pour rembourser toutes tes dettes. Ah. Ah oui, il va falloir vous installer ici. Il n'y a plus de place dans la cabane des employés. Maintenant, je vais vous laisser, moi aussi. Vous n'avez plus besoin de moi. Entre nous, il n'y a pas une grande différence entre cette grange et la cabane que vous habitiez avant. Non, ne t'inquiète pas pour nous. Bon, je file. On m'attend. Ne te couche pas trop tard, parce que le matin, on se lève avec le soleil ici. Tu les vois jouer, papa? On dirait qu'ils sont contents d'être ici. Booba, Frisquette, vous savez que c'est notre nouvelle maison? Ici, au moins, vous pourrez jouer tant que vous voudrez. Ha 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 ha!
bon pour un autre réussite. Cette fois, c'est moi qui régale. C'est ma tournée. Tout s'est passé exactement comme je l'avais prévu. Mon plan a fonctionné. Daklaoma et Moy sont venus habiter ici. Ça ne pouvait pas mieux tomber. On va les faire travailler comme des mulets. Ces deux imbéciles, ils vont être surpris. Ça aussi, ça faisait partie de mon plan, si tu te souviens. Allez, bois ma santé, tu l'as bien mérité. Moy, tu n'arrives pas à dormir? Demain, nous aurons une journée très dure. Il faut que tu prennes des forces. Je sais, papa, je sais, mais j'ai pas sommeil. Debout là-dedans, le soleil est levé depuis longtemps, venez travailler. Mais où sont-ils? Eh ben, qu'est-ce que tu fais là? J'ai vu qu'on avait commencé à enfoncer ses pieux, mais le travail n'était pas fini. Il fallait pas le faire? Si, c'est bien, c'est très bien. C'est justement ton travail prévu pour la matinée, pas de problème. Et quand tu auras terminé, il faudra que tu ailles labourer. Et toi, pendant que ton papa travaille, tu iras chercher de l'eau au puits et tu donneras à boire aux vaches et tu les brosseras. Très bien, j'y vais tout de suite. Booba, Frisquette, venez, on a du travail. Il faut s'occuper des vaches. C'est la première fois que je vois quelqu'un travailler de si bon cœur sans être payé. J'aurai fini mon travail, je jouerai avec vous. En attendant, il faut rester bien sage. Bonjour, Moy. Bonjour, t'es déjà réveillée? Oui, j'arrivais pas à dormir. Je pensais tout le temps à ce qui vous est arrivé. Oh, c'est ça le travail qu'on t'a demandé de faire? Il doit être lourd, ce songe. Je peux t'aider? Non, merci, t'es gentille, mais il faut que je me débrouille tout seule. Il est beaucoup trop lourd, on va le porter à deux. Non, ça ira. Il est bizarre aujourd'hui, il n'est pas comme d'habitude. Écoute, Moy, c'est ma faute, c'est à cause de moi si la maison de papa et la tienne ont brûlé. Je veux t'aider, c'est normal, tu vas pas faire ce travail tout seul. Non, c'est très gentil, mais je t'ai déjà dit non. Quand on a donné sa parole pour faire une chose, on l'a fait. Un point, c'est tout. On est obligé de vous laisser attacher pour que vous ne fassiez plus de bêtises. Joy? Oh. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne vois pas que c'est l'heure d'aller à l'école? Allez, lève-toi! Non, je ne veux pas aller à l'école, je préfère rester ici avec eux! Mais voyons, qu'est-ce que tu dis? Moi, il ne veut pas que je l'aide, il a donné sa parole. Alors moi, je reste avec les oursons. Ah non, tu ne vas pas rester ici à ne rien faire, tu as déjà assez manqué comme ça. À l'école et tout de suite! J'ai pas envie, lâche-moi, tu fais mal! Thank you.
Mais on n'a rien à manger. Oh, regarde! Hein? Attention! Qu'est-ce qu'elles sont grandes? N'aie pas peur! Elles sont pas méchantes. Elles sont même très gentilles. Oh, t'as vu? On peut peut-être boire du lait. Maman, elle nous donnait du lait comme ça. C'est bon? Oh oui, drôlement bon. Il n'arrête pas, ce garçon. À mon avis, il force beaucoup trop. En comparaison, les autres employés ont l'air de se tourner les pouces. Il travaille sans ménager ses efforts. Il obéit à sa conscience. On ne va quand même pas lui reprocher. C'est d'ailleurs parce que j'avais confiance en lui que je lui avais confié mon pavillon de chasse. Son comportement pendant tout ce temps m'a montré que j'avais eu raison. Mais cette fois, j'avoue que je n'en reviens pas. Il nous donne une belle leçon d'honnêteté et de dévouement. C'est vrai, monsieur. Et alors, qu'est-ce que tu fais là? Tu as déjà fini de travailler? Oh, excusez-moi. Je leur donnais des bonbons parce qu'ils ont faim. J'y vais tout de suite, monsieur. Hein? Le père et le fils sont bien de la même trempe. Je me demande s'ils vont tenir longtemps. Tu te crois capable de faire le travail de Moy? Non, Joy, c'est au-dessus de tes forces. Et je comprends parfaitement les raisons de Daklahoma. Ah? Oh? S'il fait ça aujourd'hui, c'est pour le bien de son fils. Ah, oh, c'est pour son bien qu'il travaille autant toute la journée. Oui, ça fait partie de son éducation. Moy saura comment réagir si cette situation se reproduit. Si tu avais été un garçon et que je me sois trouvé dans les mêmes circonstances, j'aurais fait exactement comme lui. Alors raconte, comment ça se passe? T'as déjà fait ce que je t'ai dit? Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé une raison de les punir, ils travaillent bien. C'est une question de temps, pas d'affolement. Ils finiront par être fatigués de travailler. Mais au fait, est-ce que tu as déjà pu t'occuper de la deuxième partie de mon plan? Tu te souviens? Mais oui, t'as pas de raison de t'inquiéter. Eh ben, je vois que cette fois, tu as trouvé le bon coin pour t'installer. Mais je t'annonce que pas une seule vache du ranch n'a donné une goutte de lait. Comment? C'est vrai? Et c'est à cause des oursons. Les vaches sont affolées par leur odeur. Elles sont pas idiotes, elles savent bien que ce sont des bêtes féroces.
Daklahoma, je te signale que la présence de ces oursons dans le ranch va créer de sérieux problèmes à Monsieur Forestier. Alors tu vas les renvoyer tout de suite dans la montagne. Mais c'est impossible! Tu ne veux pas t'en débarrasser? Très bien, fais comme tu veux, mais je t'aurais prévenu. C'est vraiment dommage d'être obligé de se séparer de ces charmantes petites bêtes, ça me rend triste. Bon ami, écoute-moi une minute. J'ai une idée qui devrait te convenir. Pourquoi tu ne les confierais pas à Pedro et Paco jusqu'au jour où tu pourras les reprendre? Si tu veux, je peux leur en parler, j'arriverai à les convaincre. Qu'est-ce que t'en dis? Parfait, marché conclu. Bonsoir, papa. Tu ne dors pas encore? Qu'est-ce que tu fais debout? J'avais soif, alors je me suis levée pour boire un peu d'eau. Papa, c'est vrai que les vaches ne donnent pas de lait parce qu'elles sont affolées par l'odeur des oursons? C'est ce qu'ils disent. Oh. Mais alors, on ne va pas pouvoir les garder avec nous? Malheureusement, non. J'ai bien réfléchi et je n'ai pas le droit de créer d'autres ennuis à Monsieur Forestier. Booba et Frisquette ne peuvent plus rester au ranch et nos deux amis vont être obligés de s'en séparer à cause du mensonge de Bon Ami qui a dit que les vaches ne donnaient plus de lait parce qu'elles étaient affolées par les deux oursons. Dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête.